In de jaren 70 voorspelden de computers van wetenschappers het einde van de wereld aan in 2030. In het tempo van de evolutie van demografie, transport, productie, consumptie en industriële vervuiling. We hadden op dat moment 60 jaar om de koers te wijzigen, maar helaas is het oude systeem voortgezet en zelfs geïntensiveerd. In plaats van mensen bewust te maken, werden er ons, met behulp van documentaires en collectieve acties, angstwekkende films en steeds gewelddadiger en verslavender games opgedrongen. Op methodische wijze is de mensheid binnen een oorlogscultuur in discrediet gebracht, tot slaaf gemaakt en bezoedeld. Onvermijdelijk heeft onze realiteit zich aangepast aan de voorspelling. Vandaag is de mens blijkbaar de oorzaak van alle plagen op de planeet. Sommige politici, de president van Frankrijk voorop, zijn hiervan overtuigd en verkondigen luid en duidelijk de nutteloze, de niet-essentiële, zij die niet zijn, moeten thuis blijven. Yuval Harari, auteur van Homo Deus, heeft het over nutteloze wezens die zich bezig zullen moeten houden met internetspelletjes en drugs. Dat is de enige oplossing in zijn ogen, zodat de samenleving vooruit kan gaan naar zegevierend transhumanisme, voorbij de macht van de goden zelf. Om de wereld te redden zijn anderen ervan overtuigd dat het nodig is een paar miljard individuen te elimineren. Deze mensen hebben het mis. Natuurlijk zijn er gekke, criminele, gevaarlijke mensen, maar dit blijft een kleine minderheid. In tegenstelling tot wat films en de media laten zien, wat sommige politici, schrijvers en journalisten zeggen, is de mensheid vol goedheid en grootsheid van ziel. Ze is overweldigend mooi. Op welke manier kijken we naar de mens? Daar ligt de sleutel. Dat bepaalt onze overtuigingen en definieert onze realiteit. Dus mochten we in de jaren 70 andere gegevens in de computer hebben ingevoerd, een altruïstische, gulle, delende, meer vegetarische mensheid, biologische boerderijen, permacultuur en posttuinen, respect voor alle leven in de lucht, op het land en in de zee en prioriteit aan ecologische voertuigen. Ik blijf ervan overtuigd dat de mensheid de oplossing zou zijn geweest voor alle problemen van de wereld. Sta me toe u hiervan te overtuigen. Doe u een paar beelden aan te bieden die vertellen over 40 jaar van mijn leven waarin ik met mijn vleugelpiano door 50 landen trok. Deze film heeft maar één doel: u uitnodigen om op een andere manier naar de mensheid te kijken en zo op weg te gaan naar een andere, liefdevolle toekomst. Arrivé au Centre culturel français de Saint-Louis du Sénégal, le directeur organise une rencontre avec un joueur de kora qui s'appelle Ablaye Sissoko. Nous découvrons là un musicien remarquable, grande finesse. La kora est une sorte de harpe à 21 cordes qui fait penser un peu à la guitare, mais les timbres sont plus légers, plus subtils. Le fait de prendre un piano et de l'amener en haut d'une montagne, en plein cœur du désert, dans la jungle, en smoking, c'est de dire « Mais vivez l'inconcevable, osez la vie !» Peut-être que dans le cœur d'un enfant, et dans le cœur de tous ces gens qui ont été croisés, ça pourra réveiller des rêves qu'ils auront envie de réaliser à leur tour.
te fais un gros bisou. Moi, je crois en l'homme. Je crois pas en des institutions, je crois pas en des sociétés, je crois pas en des drapeaux, je crois pas en des états. Je crois en l'homme. Les moines du monastère Triten Norbutse ne reçoivent jamais de voyageurs. Ils vont pourtant faire une exception remarquable. Sensibles au message de paix porté par la caravane, ils acceptent d'ouvrir leurs portes. Moi, je crois qu'il faut même mettre le poids en bas. Ouais, je crois, moi aussi. Il faut le mettre dans le temps. C'est difficile parce qu'on a le poids. Ouais. Avec les marches, on est bas. C'est pour ça qu'il faut le tourner. Nous ne tarderons pas à découvrir que l'honneur qui nous est fait a un prix. Mais les moines prennent leur part en nous prêtant main forte pour hisser le piano marche après marche jusque sur l'esplanade du monastère. Ouais, on fait le premier palier, on pose et après il faut tout se mettre en dessous. Samuel, qui fait sa première caravane, se souviendra longtemps de cet exploit. Ok.
OK, a monk here. Retourner. You need a monk. Oh, come on, là. Yes, yes, yes. Yes, OK. Nine people here, one little late. There. Yeah, yeah. OK, slow down. Yes. Okay. C'est la première fois que je fais ça. J'ai découvert ça à la caravane et vraiment, ça paraît étrange, mais c'est un plaisir. À l'aube, départ vers l'île de Ayer. S'il y a des invasions amoureuses sans prédation, alors il ne reste que le désir, celui de se vivre un temps. Sonore. Conquérir. Il y a tout à chérir. Allez,
De plus en plus large dans l'espace créé. Au fil du temps, cette pratique est entrée dans leur identité tribale et est devenue un atout physique pour leurs femmes. Les disques sont lourds. Les femmes les portent donc principalement lors de grandes cérémonies comme les mariages ou les festivals tribaux. Et bien entendu, elles les mettent immédiatement lorsque les touristes arrivent. Lors des quatre mains sur le clavier, la joie est là, c'est certain. Une relation se crée, proche de l'intime parfois. Que c'est bon quand le rire se partage et quand les yeux cherchant le regard de l'autre disent « Je te vois !» Oui, dans ces instants-là, la magie est là, générée par l'improbable rencontre de qui nous sommes. Mais voilà, cela ne dure que le temps du jeu. Dès que la musique s'arrête, je vois la personne se transformer. La joie disparaît, le regard s'éteint et la main se tend vers moi. Certains descendent déçus du pick-up piano, le cœur fermé. Mais pour la plupart, malgré leur frustration de ne pas avoir reçu d'argent, c'est de la gratitude qui les éprouve. Même si Abédier, notre guide, a tout préparé et que notre visite est annoncée depuis longtemps, un protocole est à respecter, qui s'est appliqué à toutes les autres tribus que nous avons croisées. Avant notre venue, Abédier avait rencontré les chefs des villages. Il avait expliqué le sens de la caravane amoureuse et avait versé une partie de la somme négociée pour pouvoir prendre des photos et filmer. Thank you.
Grâce au piano et à la présence ouverte et empathique des caravaniers, même si elle est fugace, la rencontre se fait avec les Éthiopiens des villes et des différentes tribus. Aller dans les autres pays avec de la musique et des étreintes. Oui, c'est peut-être peu, mais c'est mieux que rien. Je reste convaincu que si nous avions agi ainsi durant toute notre histoire, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Là-bas sous les cocotiers, là-bas sous les cocotiers, les crocos ils l'ont bouffé, les crocos ils l'ont bouffé, on peut plus pas accueillir. L'amour, c'est une vibration, la plus élevée qui soit. Incarnons-la afin de tisser des liens qui délient. C'est la clé de notre devenir. Caravane amoureuse, c'est un essaim de joie qui sème partout son miel. Finalement, ce qui nous rend malheureux dans la vie n'est pas le manque d'amour. Ce qui nous rend malheureux, c'est que nous passons souvent notre temps à le refuser, à soi et aux autres. Thank you.
Je voyage depuis 20 ans à travers le monde entier. Voilà, à la rencontre des hommes. Et je crois que c'est très important de se faire des sourires et de se dire je t'aime. Là, regarde, ça c'est au Pakistan. Voilà, là c'est à Paris. Voilà, Pakistan. L'Inde, ici. Là c'est Maroc, Mauritanie, Sénégal. Voilà. Côte d'Ivoire. Abidjan. Voilà, regardez les photos. Là, c'est en plein Sahara. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut aller vers les hommes en les aimant. Voilà. Se frotter avec eux. Oui. En près de 20 ans, plus de 120 000 km à travers le monde avec son pionnier à queue. Il est là. Regarde. Ah bon? Ah, c'est bien. Du courage. Que leur ici leur potentialité, leur mot qui leur est cher et fatal, c'est les bénédictions. Et c'est ce qu'il peut vous offrir en matière de cadeaux. Et c'est le plus beau des cadeaux qui soit, bien sûr. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Là-bas. Attends, ils vont arriver. Allez. Alors, venez, il faut qu'il y ait des gens. Allez, tu l'attrapes ici. Attendez, il faut maintenant prendre le relais ici. Allez, ils arrivent. Il y a des gens qui viennent avec nous. Là. Allez, là. Attendez. Doucement. Ah, c'est bon. Ça va. C'est parfait. Maintenant, on pivote comme ça. La roue. Courage. Allez, on improvise tous les deux. Bon, d'accord. Hein? Faut continuer. Tu veux commencer, toi? Ouais. Allez. Thank you.
Thank you.
Thank you.